Tous, bienvenue dans cet atelier Foxplan. Nous allons vous présenter aujourd'hui le mode hybride, le pilotage de portefeuille de projet en lien avec Jira, l'écosystème Jira. Je suis le responsable de Foxplan. Nous avons développé un package facile à mettre en œuvre et prêt à l'emploi pour différents types d'organisations, que ce soit des startups ou des grands groupes. On est un éditeur français à 100% avec un développement français. On a une présence à l'étranger avec une version en anglais. On s'adresse principalement aux organisations du tertiaire, mais on fait aussi tout ce qui est activité de conseil, industrie, et puis un petit peu dans le bâtiment. Donc on va adresser des profils de managers qui ont besoin d'avoir une vision pilotage de leur portefeuille de projet, mais on va s'adresser aussi aux opérationnels qui vont avoir besoin de gérer leur projet dans l'outil lui-même. Donc là, on va parler pour une vision portefeuille, de tableau de bord, de roadmap métier, de plan de charge, de budget pluriannuel ou de pilotage par les risques. Et puis sur les opérationnels, ben là on va parler de backlog produit, de toutes les techniques agiles qu'on peut retrouver sur les responsables produits. Et puis bien sûr sur les projets traditionnels, les chefs de projet et puis des PMO qui vont assurer la gouvernance de l'ensemble du portefeuille de projet. Donc on va voir comment on fait le lien entre ces briques-là et puis l'écosystème Jira. Donc on parle de plus en plus dans les organisations maintenant de pilotage de type hybride, dans des portefeuilles hybrides, dans lesquels on va retrouver à la fois les projets traditionnels et puis les projets agiles pour avoir cette vision consolidée de l'ensemble de l'organisation. Donc là, on va gérer tout type de projet, que ce soit des projets pluriannuels, des projets de maintenance récurrents, ou alors des projets métiers ou R&D qui vont rentrer dans un portefeuille de projets. Donc sur l'agilité, on va parler de Kanban et de Scrum. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est de faire le lien justement avec cet écosystème qu'on a dans Jira. Alors, quelle va être la valeur ajoutée de Foxplan dans l'écosystème Jira? Donc, Jira est un système de ticketing très connu à la base pour gérer des interventions informatiques et petit à petit s'est développé vers l'agilité avec donc un ticketing qui s'est organisé en Scrum et en Kanban avec des sprints, avec des épiques, avec des features. Mais on ne retrouve pas, à moins d'utiliser effectivement tout un écosystème de plugins qui est complexe, on ne retrouve pas un pilotage intégré de portefeuille de projet comme on pouvait l'avoir traditionnellement par le passé. Donc là, nous, on va s'accoster et se synchroniser avec Jira pour constituer une roadmap métier, des budgets pluriannuels qui seront basés sur les ressources ou sur des enveloppes euros, on va le voir un peu plus loin, un plan de charge, même si on sait que les projets agiles ont part du principe qu'ils doivent avoir des ressources dédiées, on sait que dans les organisations, ce n'est pas forcément vrai, et on va retrouver des pools de ressources, des pools d'expertise qui vont être transverses et pour lesquels on va vouloir gérer l'intervention des experts sur des domaines particuliers qui vont naviguer entre les projets et pour certains projets agiles, ils vont intervenir sur un sprint, mais sur le sprint suivant, ils vont être sur un autre projet, ou alors ils vont être à 50% sur un sprint, 50% sur l'autre, et puis ils vont intervenir aussi sur des projets traditionnels. Donc là, on a un vrai plan de charge qui va pouvoir s'adosser à Jira. Et puis, accessoirement, pour ceux qui l'utilisent, un pilotage par les risques qui est toujours utile et qui permet de mitiguer les problématiques qui pourraient être rencontrées à différents niveaux dans l'organisation. Donc, si on zoome un petit peu sur ces différents sujets,
Donc là, on a un exemple de plan de charge. Alors, je vais vous montrer un petit peu les différentes parties, et puis après, on ira directement dans l'outil pour que je vous montre un petit peu comment ça se matérialise dans l'outil. Donc là, on a typiquement sur cet écran, on a un plan de charge sur un projet agile avec des sprints dans lequel il y a des bugs, il y a des stories. On a plusieurs sprints qui s'enchaînent et on a en dessous, on a un plan de charge sur lequel on va retrouver sur un business analyst de la charge à la fois sur les sprints sur lesquels ils ont été affectés, mais on peut très bien affecter aussi des ressources sur du long cours, c'est-à-dire qu'on va mettre une personne pendant 6 mois sur un projet agile parce qu'on sait qu'il y a de la récurrence et qu'elle ne va pas changer. On peut la mettre à 50% pendant 6 mois. Donc ça va aller alimenter aussi les budgets, puisque derrière, ça va aller consommer sur des enveloppes budgétaires en ETP ou en euros. On va le voir juste après. Donc là, on a à la fois la représentation agile du projet. Là, c'est par sprint, mais on peut avoir une vue aussi par EPIC, qui va plus être par groupe fonctionnel. Et puis, un plan de charge en dessous qui donne de la visibilité et qui permet au management de s'organiser pour savoir est-ce qu'ils peuvent embarquer d'autres projets parce qu'ils ont la capacité à faire ou non, les gens sont complètement staffés et il n'y a plus de capacité à faire. Donc là, sur l'exemple précis, on a mis une personne 5 jours sur le sprint 1, mais il se trouve qu'elle est affectée déjà sur un autre projet à 10 jours. Donc là, le chef de projet qui va staffer cette personne sur son sprint, c'est déjà que cette personne est surstaffée, donc ça ne va pas fonctionner. Pour le product owner en dessous, par contre, il y a un peu de latitude pour faire des choses. Donc voilà, c'est vraiment l'affectation de ressources sur des projets agiles et traditionnels pour une vue qu'on pourra après consolider sur l'ensemble d'un portefeuille de ressources ou d'un portefeuille de projet. Là, on a une représentation sur un portefeuille de ressources avec différents types de profils qu'on va pouvoir aussi agréger par équipe, par compétence, et sur lequel on va agréger un ensemble de charges, qui soit sur des projets traditionnels type cycle en V ou Scrum Kanban, et on va prendre la totalité de leurs charges et on va décliner ça en plan de charge sur une année ou sur même plusieurs années si on arrive à anticiper. Avec des ressources physiques ou avec des ressources génériques, ça fonctionne autant. Et là, on va pouvoir voir tout de suite sur le développeur 1 qu'il a déjà un staffing qui est assez conséquent sur plusieurs mois. Par contre, on a d'autres ressources qui vont être plus disponibles pour peut-être démarrer d'autres projets. Donc ça donne une bonne visibilité au management sur où on en est, est-ce qu'on a assez de visibilité, que ce soit pour une activité de service où là, on a besoin d'anticiper finalement de savoir si on peut servir les commandes ou en interne sur des projets qu'on va mettre en œuvre et qu'on va structurer dans le temps pour ne pas déborder les équipes à un moment donné ou qu'il y ait une période de creux sur un autre moment. On va gérer aussi, bien sûr, en lien avec ça, tout ce qui est congé sur ces projets. Et puis, je vais vous faire un zoom un petit peu plus. Quand je vous montrerai l'application, on fera le lien sur la synchronisation entre Jira et justement ces activités agiles pour justement s'appuyer sur Jira et ne pas avoir à reconstruire le projet agile dans Foxplan, mais bien se synchroniser pour compléter les fonctionnalités avec les charges et les budgets. Donc là, on est sur la partie budget. On va retrouver du jour homme ou de l'euro, ou de la devise, on va dire, parce que ça peut être multi-devise, qu'on va synchroniser avec les ressources. Et là, on va pouvoir gérer, pour des grandes organisations, on va pouvoir gérer tout un exercice budgétaire avec des comités de validation et différentes versions de budget qu'on va pouvoir recopier. Et à ces budgets, on va pouvoir adosser tout ce qui a été planifié pour savoir est-ce qu'on a bien anticipé les budgets qu'on nous avait donnés et puis après le réaliser, est-ce qu'on a réalisé pour avoir au final un prévisionnel, un atterrissage sur les projets. Et ça, c'est pareil, on va le faire, que ce soit des projets agiles synchronisés avec Jira ou sur du projet traditionnel. Et après, sur un portefeuille de projets, on va retrouver un ensemble On va se donner de la visibilité, par exemple, sur des jours hommes planifiés.
sur un ensemble sur un portefeuille de projets. On pourra le faire aussi sur de l'euro. Là, on a construit en fait une sorte de tableau croisé dynamique dans lequel on va pouvoir construire les analyses qu'on veut, et ça sera à la main de l'utilisateur de l'interface de pouvoir le faire. Je vous montrerai ça dans l'application. Au niveau budgétaire, aussi bien sur les projets agiles, on va aller assez loin, où là, on va faire une planification complète d'un point de vue budgétaire, où on va retrouver donc le planifié, ce qui a été staffé sur les projets. Donc les projets agiles n'échappent pas à la règle. On va savoir ce qui remonte de l'anticipation qu'on a pu avoir sur les ressources, que ce soit à court terme sur des sprints ou à plus long terme si on a des équipes qui sont staffées sur le long cours. Et puis, on va avoir du réalisé sur ces projets. Alors, ça peut être, il y a plusieurs options. Là, on est en train d'étudier des nouvelles options avec la Syncro Jira. Ça peut être soit traditionnellement faire progresser les activités, soit les feuilles de temps, soit la synchronisation éventuellement des consommés qui viendraient de Jira sur les différentes story, bug, tickets qui seraient remontés. Et là, on voit qu'on a, pour les exercices budgétaires, on a plusieurs versions de budget avec une version en cours et une version approuvée. Sur le planifié et le réalisé, on va avoir une date de clôture, où globalement, ce qui va nous intéresser dans le passé, c'est le réalisé. Donc ça va être la date de clôture qui va correspondre plus ou moins au mois qui a été terminé. Donc si là on a fini le mois de septembre, bah, on va le positionner à fin septembre et on va récupérer tout ce qui est avant septembre va être du passé et va rentrer dans le prévisionnel et tout ce qui est après va être du planifié. Et notre prévisionnel va constituer notre atterrissage. On va pouvoir bien sûr comparer cet atterrissage avec le budget du projet pour avoir une vision claire des écarts qu'on peut avoir sur les budgets qu'on nous a alloués. Une vision arbitrage, pareil, dans lequel on va faire entrer différents types de projets, que ce soit des projets agiles ou traditionnels, avec un budget, un prévisionnel et puis des statuts. Donc, on va pouvoir se faire des totaux par type de statut, avec éventuellement une structuration en organisation, sur lequel on va consolider l'ensemble des jour-homme ou des euros. On peut le faire des deux façons en fonction de l'organisation, pour prioriser et puis lancer les projets qu'on a à lancer dans le portefeuille. Donc ça, c'est des vues arbitrage avec différents types de statuts. Tout est configurable dans l'application. C'est assez simple. On a des statuts qui sont proposés, mais vous pourrez en rajouter d'autres pour recréer votre process de validation interne. Et on va pouvoir même rajouter dans ce process de validation, pour y revenir plus tard, on va pouvoir rajouter tout ce qui est planifié et réalisé. Ça, si on veut faire des arbitrages en cours de route sur un projet qui est déjà lancé, on peut regarder le consommé, par exemple, sur ce projet pour se dire, bon, en termes de consommé, on est déjà à plus de la moitié, on va peut-être le laisser finir, ou au contraire, on est au début, on n'a quasiment pas démarré le projet. Ben, on peut l'arbitrer parce qu'il y a d'autres priorités qui arrivent. Tout ce qui est donc consommé, qu'on pourra retrouver pour les organisations qui en ont besoin sous forme de feuilles de temps ou de vues synthétiques par calendrier, on pourra, comme je le disais tout à l'heure, faire redescendre les consommés qui viendraient de stories, de bugs et autres de Jira, qui c'est plus adapté aux organisations, pour pouvoir les retrouver ici et qu'un manager puisse avoir une vision globale finalement de où a été passé le temps d'une personne dans l'organisation. Et là, on va pouvoir avoir sur l'ensemble des projets agiles ou autres, sur des experts qui seraient transverses, par exemple, voir un petit peu où elle a passé du temps. Ça, c'est des choses qui vont être importantes pour les organisations qui vont faire du crédit impôt innovation ou du crédit impôt recherche, où là, on va avoir besoin de savoir, pouvoir justifier le temps qui a été passé. Et là, on a un process d'approbation de feuilles de temps. Voilà, bon,
On pourra bien sûr customiser tout ce qui est méthodologie dans l'outil, que ce soit en agile ou en traditionnel. Les écrans aussi, mais ça je passe. Et puis des interfaces. Donc là, on va vous montrer l'interface avec Jira, mais il y en a d'autres avec des outils RH ou finance ou CRM qui vont pouvoir du coup récupérer des informations, par exemple budgétaires sur des projets qui seraient de type Jira pour aller alimenter un système comptable sous forme de d'API. Voilà, puis tout ce qui est reporting qui va avec ce type d'outil, vous connaissez probablement. Je vous propose d'aller voir comment ça se passe dans l'outil. Dans l'outil, alors, on peut commencer par des projets agiles et puis je vais vous montrer rapidement la synchro avec Jira. Donc là, on a typiquement un projet Scrum, donc qui va être organisé sous forme de sprint, dans lequel on va retrouver tous les éléments qui sont embarqués. Et on a staffé des ressources, pour le coup, au niveau du sprint. Mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi à plus long terme, ça fonctionne aussi bien. Et on va retrouver, du coup, le plan de charge de ces ressources. Si on réorganise les ressources, ça va se mettre à jour, bien sûr, en temps réel, au niveau du staffing. Cette vue, on peut la voir aussi, sous forme d'EPIC, si on est plus intéressé par une roadmap métier. Donc là, on va retrouver les EPIC avec développement back, développement front, et puis des jalons associés. Donc tout ça, bien sûr, ça va rentrer dans le portefeuille de projet, c'est un peu l'enjeu, pour avoir cette vision globale de l'ensemble des projets du portefeuille, y compris les projets qui seraient issus d'un avancement venant de Jira. Donc ces projets, bien sûr, on peut les voir sous forme de cartes, avec une vision backlog. Les EPIC qu'on retrouve dans le même format que ce qu'on pourrait avoir sur du Jira. Et puis des sprints. Là, on peut en avoir plusieurs qu'on a préparés en avance de phase, avec une capacité de sprint qui peut être fonction de la vélocité, donc avec des points associés aux cartes, et puis des statuts d'avancement, et puis un avancement qui est noté à droite, en fonction des cartes qui sont clôturées. Donc là, on a 10 points de clôturés sur 65. Il y en a qui le font aussi en jour homme. Ça fonctionne bien. C'est fonction de si on veut respecter ou pas les préceptes agiles. Donc là, c'est ce que je montrais. Bon, souvent, on démarre un sprint et on les enchaîne. On peut éventuellement les anticiper. Ou parfois, il y a un peu de biseau parce qu'il y a un sprint qui n'est pas complètement terminé. Il y en a un autre qui démarre. Normalement, on doit reporter, mais il y en a qui laissent pour juste terminer et puis qui lancent l'autre sprint. Si on prend un exemple, alors là, on a. Je vais vous montrer. En fait, tout est organisé en espace de travail dans Foxplan. C'est là qu'on va retrouver toute la configuration, qu'on va retrouver les membres. On va retrouver toute la configuration des champs, la partie budgétaire avec les différentes enveloppes, les versions budgétaires, les feuilles de temps. On va retrouver la matrice des droits sur qui a le droit de voir quoi. On retrouve les API, donc ça, c'est pour faire des interfaces et on a la partie intégration Jira où là on va retrouver l'accès à l'interface Jira qu'on configure pour l'ensemble de l'espace de travail avec un token de sécurité et après ce qui permet du coup au projet de pouvoir lancer une synchronisation sur un projet ou sur l'autre. Donc là je suis sur un projet Jira. Donc, dans l'agilité, je vais pouvoir configurer bien sûr les colonnes de mon Kanban Jira et je vais pouvoir le faire en lien avec une synchronisation que j'aurai effectuée sur un projet Jira, ce qui me permet du coup de récupérer tout l'avancement du projet Jira, les sprints, les EPIC, les différentes stories et bugs pour pouvoir les faire entrer demain dans une roadmap. Pouvoir affecter des ressources sur des sprints et avoir cette vision consolidée qui va rentrer dans un portefeuille unifié, ce qui va donner aux responsables de l'organisation qui ont des comptes à rendre au métier,
savoir, même si c'est un projet agile, il a une roadmap avec quelque part des prévisions sur des épics, des lots métiers qui vont être livrés à certaines dates et que l'on pourra structurer. Et puis, on va pouvoir suivre sur ces projets, bien sûr, des enveloppes budgétaires. Donc là, c'est la mécanique pour synchroniser avec Jira. Donc si je retourne sur mon projet Jira, donc là, on voit que j'ai l'équivalent quelque part dans Jira. Si je me synchronise, là, il se passe rien. Ah si, il y en a une qui a bougé quand même. Mais là, effectivement, si je fais bouger mes tickets, ça va derrière se synchroniser avec Jira et à plus grande échelle sur un projet plus important avec des épiques, des sprints et des items, on va avoir une vue consolidée qui va commencer à devenir intéressante. Donc là, c'est la synchronisation Jira pour avoir l'équivalent. Donc là, je vais retourner sur mon projet Scrum, par exemple. Je vais retrouver du coup sur ce projet agile, je vais retrouver les jours hommes que j'ai affectés sur ce projet agile, que j'ai potentiellement converti en euros avec un TJM. Je vais pouvoir le faire sur des coûts, sur des revenus. Donc là, je vais avoir une vision assez précise de finalement quel est mon total sur mon projet. Je vais pouvoir rajouter des enveloppes aussi euros pour l'achat de serveurs, des choses comme ça. Comme je le disais, on peut travailler qu'en euros ou bien sûr qu'en jours hommes pour les organisations qui fonctionnent comme ça. Je vais pouvoir me faire des analyses, donc là avec mon croisé dynamique, que je vais pouvoir saucissonner comme je le souhaite en mois année. Je vais redécouper mon budget pour un suivi mensuel de mes atterrissages. Donc je vais retrouver les autres composantes. Là, je vous ai montré la partie planning, la partie carte. Et puis après, on va retrouver la gestion des risques, par exemple, sur ce type de projet. Si je m'intéresse à la vue portefeuille de projet, donc là, je vais consolider dans mon portefeuille l'ensemble de mes projets avec. Je vais retrouver mes livrables principaux. Je vais pouvoir les associer aussi bien à mes projets agiles qu'à mes projets cycle en V pour me donner un peu de visibilité. Et là, je vais avoir le détail de par exemple, des features là où je vais avoir les épiques, pardon, où je vais avoir les grandes fonctionnalités qui vont être livrées au métier. Et je vais retrouver, bien sûr, mes projets plus traditionnels avec un cycle en V. Et je vais consolider sur l'ensemble les plans de charge de mes ressources. Donc là, je vais avoir le détail, mois par mois, de où sont staffées mes ressources et ce que ça va représenter sur le plan de charge de mon organisation au global. La vue arbitrage dont je parlais tout à l'heure. Alors là, on a rajouté effectivement le planifié, le réalisé, le reste à faire. Si tant est qu'on suive effectivement le réalisé sur les projets. Avec, par type de projet, donc là, si je l'approuve, mon projet rentre dans mon plan annuel d'affaires avec tous les coûts que j'ai. Pour lequel j'ai validé une enveloppe budgétaire, l'atterrissage de mes projets, et puis ce que j'ai planifié sur ces projets jusqu'à présent, et ce que j'ai réalisé. Et puis là, je vais retrouver la même chose sur des projets qui sont en mode brouillon, pour lequel pour l'instant on n'a pas encore rentré d'éléments soit de planification, soit budgétaire. Sur mes budgets, je vais pouvoir faire une analyse globale. Pour les projets qui ont des éléments budgétaires, je vais pouvoir visualiser donc les différentes enveloppes budgétaires de mes ressources.
Toc, je vais retirer le réaliser par exemple si ça ne m'intéresse pas. Je vais pouvoir le faire en revenu, mais bien sûr, hop, en jour homme, de la même façon. Donc là, voilà, j'ai les montants en euros, mais je peux faire mon suivi en jour homme. Vous voyez, c'est assez dynamique. On peut le configurer comme on veut. Si après on veut l'organiser avec différents types d'attributs, différents types de projets d'organisation, on pourra le faire assez facilement. Et puis pareil, on va consolider l'ensemble des éléments dont on a parlé, risque, décision, des rapports météo si on veut, sur l'ensemble du portefeuille de projet, qu'il soit traditionnel ou agile. Donc là, on va pouvoir ajouter des briques déclaratives où on va demander au product owner de donner l'état de son projet à intervalles réguliers, comme on pourrait le faire sur d'autres types de projets, pour que le responsable puisse se focaliser finalement sur les problèmes qui sont remontés. On va retrouver un intérêt à faire ce pilotage aussi bien pour les projets traditionnels que les projets agiles. Pareil pour le pilotage des risques, c'est intéressant de réintroduire le pilotage des risques pour les projets agiles, où là, on va demander quelque part aux gens d'exprimer les risques qu'ils ont pu anticiper et de les matérialiser dans le projet agile au même titre que les autres, où on va pouvoir reparcourir l'ensemble du portefeuille et quelque part se focaliser sur les risques qui sont critiques. Donc là, sur un projet Scrum, par exemple, on va avoir des risques critiques, ben, on va les adresser comme les autres. Et si on se fait une revue globale sur le portefeuille, on va trouver en général des infos très intéressantes. Donc là, on retrouve une gouvernance, on réintroduit une gouvernance plus traditionnelle sur des projets agiles, ce qui, des retours qu'on a des organisations, commence à manquer, parce qu'avec des projets finalement Jira, on est sur un pilotage en sprint. Qui est relativement court terme, mais sur lequel on a aussi des éléments à anticiper. On sait identifier des risques sur un projet agile. On a besoin de les documenter, de les revoir au niveau portefeuille. On a des coûts de prestation. On fait intervenir des experts sur des projets agiles. Donc, on va avoir besoin de piloter des budgets. On a besoin de se donner cette visibilité pour savoir où on va et quelque part, quelle est la roadmap des objectifs qu'on va pouvoir remplir, et est-ce qu'on va pouvoir les remplir dans de bonnes conditions ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on va quelque part exploser l'enveloppe qu'on nous avait confiée, ou quelque part on est bien, sur de la chaîne matérielle, sur de la prestation, on est capable d'anticiper, de se dire, on a un expert qui vient pendant 6 mois, il a un TJM, on le met dans le budget du projet. Et on est capable de suivre ce budget-là au même titre que les autres dans un portefeuille global, que ce soit de l'agile ou du traditionnel. De la gestion du changement, enfin, on peut retrouver beaucoup de choses qui sont intéressantes à ce titre-là. Sur le pilotage des ressources, donc là c'est pareil, on peut se donner un peu plus de visibilité. Sur les ressources. On l'a vu en partant du projet, que ce soit le projet agile. Là, on le prend sur un portefeuille de ressources. Donc, on va intégrer plusieurs ressources dans un portefeuille de ressources et on va essayer de monitorer la charge de ces ressources. Et là, on a des choses intéressantes pour pouvoir structurer dynamiquement, pour pouvoir le faire par exemple par équipe. J'organise toutes mes ressources par équipe pour savoir quel est le consolidé de la charge d'une équipe donnée. Donc là, on fait la somme globalement des ressources qui sont dans l'équipe et on fait le total pour voir quelle est la dispo versus quelle est l'affectation sur ces ressources. Et là, ça va être intéressant parce qu'au sein d'une équipe, si on regarde au global sur une équipe, on va se rendre compte que globalement, peut-être au niveau de l'équipe, ça se passe bien. Par contre, quand on zoome dans l'équipe, on se rend compte qu'il y a une équipe, il y a une personne qui est surstaffée et l'autre qui l'est un peu moins. Donc là, on peut refaire des arbitrages et réorganiser un petit peu le portefeuille de projet pour faire bouger des ressources d'un projet à l'autre. On pourra même
faire de l'affectation dynamique pour pouvoir bouger directement les ressources sur des vues comme ça. Et là, encore une fois, sur que ce soit des projets qui sont synchronisés avec du Jira ou du projet traditionnel. Donc là, c'est le constaté sur les projets. Alors, il y a des organisations qui le suivent, d'autres qui le suivent moins parce qu'ils ont ils ont des obligations ou ils ont des comptes à rendre. Voilà, ça peut donner une vision pour un manager de quel temps a été passé par les ressources sur une activité donnée, sur un jour donné. Donc là, c'est vrai que sur des gens, des pools d'expertise, par exemple, qui circulent entre les équipes, on peut comme ça avoir une synthèse de ce qui... de ce qui s'est passé. Les congés, bon, je ne m'appesantis pas trop là-dessus. Voilà, donc on a fait globalement le tour des fonctionnalités. J'étais un petit peu plus vite que prévu. Le rythme n'est pas facile à timer quand on est en visio. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a on a une organisation dans laquelle on va retrouver des projets donc pilotés en mode hybride avec des projets traditionnels, des projets agiles, des projets agiles qu'on va pouvoir synchroniser avec des outils comme Jira qui sont adaptés pour aujourd'hui pour manager les sprints. Ils ont été connectés à de la livraison de code par exemple, donc ils sont aujourd'hui essentiels pour les équipes. Les équipes ne peuvent pas fonctionner sans. Il y a toute une traçabilité dans ces outils-là. Et on vient compléter l'écosystème de ces outils-là pour rajouter une partie essentielle pour les organisations, qui est une partie à la fois roadmap où on va avoir des livrables structurés dans le temps, des livrables métiers. Des aspects, des composantes de pilotage de la charge des ressources qu'on va pouvoir anticiper même sur des projets agiles si on a des ressources qui sont stables, et puis des composantes budgétaires pour lesquelles on va suivre un atterrissage projet et un atterrissage portefeuille de projet qui va permettre de faire des arbitrages et de suivre le bon pilotage de l'atterrissage des budgets des projets. Voilà pour la présentation. On va peut-être ouvrir Yves s'il y a il y a des questions. C'est un sujet qui est assez large. J'ai essayé d'être synthétique et de prendre les idées essentielles. Les organisations peuvent être parfois différentes, donc je pense que c'est intéressant d'entendre ce que vous avez à remonter sur ce sujet. Donc à vous de jouer. Écoute, Gilles, tu peux conclure, hein. Ok, bon, bah, très bien. Merci, merci à tous pour votre écoute. Très bonne journée à vous et puis n'hésitez pas à prendre contact avec Coprime ou avec nous-mêmes pour creuser ces problématiques. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.